Oh. Soleil. C'est un soleil. Je reconnais sa forme, c'est un soleil. Bon. On va pouvoir continuer, putain. Alors. Ma pioche et ma pioche. Bon. Je vais regarder où on en est. Enfin, on en est au début de l'épisode, mais je vais regarder où on en est dans la vidéo des cubes. Et on y va. Ok. Bon, bah, on va pouvoir. Ah. On va pouvoir reprendre. Il faut de les escaliers en stone brick. Les escaliers en stone brick. Je les ai. Je vais les escalier en stone brick, monsieur. Merci. De la stone. Et plus d'escalier. Plus d'escalier. Allez-y. Allez, les nuages, vous clignotez. Ouais. Bon, bah. Parce que c'est notre job. Très bien. Quand est-ce que change la texture des nuages? Un jour, peut-être. Ok, je récupérerai bien de la terre, il y en a beaucoup là-haut. Ouais, là, faut que... Hop, hop, hop. Eh, j'avais une pelle. Elle est là, la pelle. Nanana. Dans un petit village, des gens ont pour habitude de déforger des pelles. Et ils ont une pelle pour chaque jour de l'année. Et il y a un jour, j'y suis allé. Et ils m'ont offert une pelle. J'y suis allé un 18 juin. C'était l'appel du 18 juin! Explosion nucléaire. Voilà. Vous avez qu'un aperçu de mon grand pouvoir. Mon grand pouvoir. Mon grand pouvoir. Un petit bloc de dirt, deux petits blocs de briques, un petit bloc de dirt et deux petits blocs de briques. Un petit bloc de dirt, un petit bloc de briques, un petit bloc de dirt, de briques, de dirt, de briques, de dirt, de briques. Un petit bloc de dirt, deux petits dirt, deux. Un, deux, trois, quatre. Un petit bloc de dirt, un petit bloc de briques. Briques. Brick, 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 dirt, 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 brick, dirt, brick, 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 dirt. Ouais, bon. Nanana. Voilà. Ah bah ça va, ça a la bonne forme. Je rappelle que je fais le tour parce que sinon, regardez, je n'ai plus de briques. Je suis obligé de refaire une expédition pour aller chercher de la clé. Bon. C'est pas grave, je pense que de toute façon... Non, je vais pas m'arrêter là pour cet épisode. Il est à peine au quart, donc... Qu'est-ce que je vais faire Ça m'a pas l'air symétrique du tout. Ça m'a pas l'air symétrique du tout, du tout, du tout, du tout. Fa vérifier. J'ai bien l'impression que c'est à vérifier. Très intéressant. Ouais. Bon. Bah sur ce, on part en expédition pour la clé. Allez! Fort Boyard, trouve la clé et sors. Sors quoi? Je sais pas. Un sort de boule de feu. Là, il y a de la clé à profusion. J'ai jamais remarqué ce petit lac et c'est pratique. Donne-moi ta clé. La clé de ma maison. Nanana.
Putain, la clé, il y en a partout, c'est trop bien, c'est la clé du paradis. Après, la clé du paradis, le paradis de la clé. Voilà comment j'appelle ma boutique de clés. Attends, voir, je vais jamais vendre de clés. Bon, je m'en fous. Alors, de la clé, de l'argile si vous préférez, avec les boules d'argile. Nanana. Mon plan pour la chaîne, faire plus de mineculture. Je vais en faire plein partout. Je vais essayer de faire plein de mineculture. Le problème, c'est comme ça prend beaucoup de temps, je vais essayer de trouver une formule qui font que je peux faire des mineculture souvent et à grande échelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que faut surtout optimiser à la phase de tournage. Parce que mettre. Passer autant de jours à tourner une. Passer autant de jours à tourner ce truc, c'est beaucoup trop. Je vogue tranquillement sur l'eau. Oh oh, oh oh, oh oh. Un bloc de clé égale un bloc de brique. Bon. Tututu. Nanana, il y a comme des silences de temps en temps. D'un autre côté, qu'est-ce que je voulais que je dise? Bon, de toute façon, je vous rappelle, le but de cette série, c'est de finir cette putain de maison que j'ai à peine commencé. Bon. Hop. Voilà, allez. Je remonte. Aïe. Ça pique. Putain, je me dois tellement que ça arrive à faire un bruit de piqûre. Bon. Là, on en est au 3/8 de l'épisode. Soit au tiers. Bah écoutez, je vais faire des épisodes tellement différents qu'il y aura un épisode 30 minutes et un épisode 10 minutes. Je vais arrêter quand je veux et je vais y reprendre quand je veux. En mode épisode complètement hétéroclite. Ah. Toi la dalle, tu vas pas te mettre là. Ok. Alors. Bah j'ai beaucoup de clés. Je vais me faire des fours. Non, la lave est là-bas. Bon. Bah il va me falloir plus de seaux de lave. Mais c'est pas grave. Bon bah je vais mettre la lave à cure. Je vais attendre que tout ça cuise. Et je vous reprends après. Ou non, en fait je vous reprends dans le prochain épisode. Ça fera des épisodes super courts. Comme vous en avez jamais vu. Mais bon, pour finir cet épisode, je vais vendre du blé. Je vais vendre du blé à un paysan. Logique des paysans. Les paysans, c'est des paysans. Donc du coup, ils achètent et ils vendent du blé. Très bien. Ouais, parce qu'en fait, ils peuvent aussi bien vendre qu'acheter. Oh tiens, il y a vous deux. Germaine et Gertrude. Germaine et Gertrude vendraient intéressant. C'est... Je vais aller chercher le mec qui vend du blé. Que 10 blés? Bon. Dans ce cas-là, il me faut un champ plus grand. Et ça tombe bien, j'ai récupéré de la terre. Et ça tombe bien, j'ai eu une faux dans mon inventaire. Je sais pas... Ah non, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Enfin, j'ai eu l'initiative de l'enlever. Je vais faire un truc ici. Non, ou même, je vais faire encore mieux. Je vais le faire ici pour pouvoir l'irriguer. 1, 2, 3, 4. Je vais le faire long comme ça, tiens. Cette musique, je sais pas comment elle s'appelle déjà. Moi, j'ai oublié son nom. Mais c'est pas grave. On peut la retrouver dans l'album de C418.
que j'apprécie beaucoup. Pas de faux, pas de faux, pas de faux. C'est faux! Et en fait, c'est chiant. Ouais, ça l'est. Des patates. Ouh, un bloc d'argile. Je prends. Et je suis même tellement preneur que je vais mettre un bloc de stone à la place. Oh, tu gastes un stone? Non. Bon, bah, pas de graines. Et puis le soleil se couche, regardez. La beauté de mon pack de texture qui est le soleil. Regardez, vous verrez jamais ça dans le monde réel. Jamais vous ne verrez un ciel avec des nuages qui clignotent. Bon. Ah, les glitchs, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Bon. Quand est-ce que je vais finir cet épisode? Quand je veux. Comment est-ce que de la clé a réussi à générer ici? Ah, il y a un train qui est passé là. Non, je déconne, c'était le jeu. Voilà. Donc on va mettre tout ça dans notre méga four supracompacteur. Non. Dans notre four tout court. Mais je mets de l'argile dans un four et ça fait de la brique. Ma logique est équivalente à celle d'un écureuil. Ok. Bon. Et ben, je vais finir cet épisode là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment cool pour finir l'épisode? Je sais, on va faire un caca. Non, on va pas faire un caca. On va faire un monument. Nanana. I have no idea what I am doing. Et hop, un Koh-Lanta. Un Koh-Lanta caca. Bon. Ok. Ouh. Attendez, non, je vais vous montrer mon piège à zombies. Eh, zombie, je vais te faire une blague. Ah ouais, quoi? J'adore les blagues. Eh, tu connais la blague? C'est un mec, il... Ah. Bon, ok. Attends, je pense que ça fait aussi piège à Creeper. Venez pour voir. Non, ça fait pas piège à Creeper. Bon. Ça t'apprendra, tête de schtroumpf. Bon. Bah, sur ce, je vais arrêter là. Ah, et même la bordure des coffres est clignote. Ah. C'est beau quand c'est approximatif. Bon. Bah, allez, j'arrête l'épisode là. Et on se reprend pour la prochaine.